Blablabla. Alors Yukiko, je passe un peu beaucoup de temps avec toi. Ah merde, j'aurais dû accepter. Je suis con. Fallait accepter en fait. Bon, normalement, ça ne devrait pas avoir de répercussions, normalement. Tiens, réponds ça, toi. Voilà. Normalement, il ne devrait pas avoir de répercussions. Voilà, on a Junes maintenant avec Yukiko, toujours. On est en train de regarder tout un équipement de bureau, là. Y compris les cahiers, les stylos et tout le bazar qui va avec, quoi. Qu'est-ce qu'on va répondre? Je ne sais pas. On va dire pourquoi tu prends tout ça. Enfin, ça sert à quoi tout ça? Pour étudier? D'accord. Je pensais étudier encore plus sérieusement. Ok. Mais elle était déjà hyper bonne en cours en fait. Bon, elle veut de l'oseille. Eh, c'est pas le manager de l'auberge, ou je voudrais dire celle qui voudrait être la manager. Ah, je vois que vous êtes toujours pas rentré. D'accord, il peut pas partir tant qu'il n'y a pas le bus. Bloqué ici à rien faire. Désolé. Ah d'accord, c'est des gens qui font un reportage télé sur l'auberge. Bah, quoi, elle veut pas? Bah, tu dis non, puis c'est tout, hein, enfin, si c'est que ça, non. Tu leur as dit non? Oui. Embarrassé. D'accord. C'est pas vraiment un... C'est pas du journalisme, en fait, c'est juste un truc qui balance des news, des fausses news, des news bizarres. D'accord. Bon, en gros, c'est juste des gros fouteurs de merde, quoi. Ah, la peur de perdre des clients. Aussi sérieuse. Ouais mais bon, enfin voilà, tu vois le problème c'est qu'elle dit elle a marre de tout ça, elle veut se barrer et tout. D'un côté, j'aurais dû quand même répondre que c'est un peu égoïste quoi, parce qu'elle laisse un peu la merde derrière elle quoi. Je pense pas qu'à toute façon je pense pas qu'elle va laisser l'auberge dans cet état, elle va forcément faire quelque chose quoi. Ok, sauvegarder, parce que c'est le moment que je peux sauvegarder, pas l'abri de faire une erreur. Normalement j'ai le bon personnage. Oui, c'est bon. Par contre j'aimerais juste passer du temps avec toi en fait, je peux pas? Ah si je peux, c'est bon. Ok. Hey. Ah, qu'est-ce que tu fais après l'école? Bah ça dépend en fait. Je fais un peu de tout quoi, soit je travaille, soit je vais jouer avec mes potes, soit je vais dans la télé, arrêter les criminels. Non, peut-être pas lui dire ça, ça va peut-être un peu le perturber. Je vais dire que je travaille. C'est vrai, je travaille souvent en plus. Hein. Ah vraiment? Ah, t'es vraiment responsable pour ton âge. Ah, hey, ça ressemble encore à un interrogatoire. Ça tourne encore dans un interrogatoire. Hein. J'ai plus l'habitude de faire ça avec des meurtriers plutôt qu'avec des gens de ton âge. C'est ce que tu me suspectes encore? Ou t'es pas très bon pour la parlotte? Ou parle-moi de toi-même. Enfin, vraiment, parle-moi de toi. Je pense que parle-moi de toi, c'est plutôt pas mal pour balancer une discussion. Tu me parles de moi? T'es intéressé par des trucs bizarres, toi? Bah, je suis juste un simple détective dans un petit pays, quoi. Qui vit avec ma fille. Y'a pas vraiment de truc intéressant. Enfin, pour toi, pour un étudiant comme toi. Quoi. Mais bon, tu sais, ça fait toujours plaisir de t'avoir à la maison. Ouais, je la vois. Enfin, je vois Nanako heureuse en t'appelant Big Bro tout le temps, quoi. Pour moi, t'es plus un tout petit frère, plus qu'un fils. Donc j'aurais t'appeler Big Bro, c'est ça? C'est vrai que ça collerait bien ça. Je vais dire non, c'est pas possible, il est trop vieux. Ah, c'est longtemps que j'ai pas ri comme ça. Ok. Voilà, faut essayer d'être poteau avec Dojima. Ok, il doit encore bosser. Ouais, squatte pas trop. C'est bon, t'inquiète. T'inquiète. Je dois échanger des bouquins. À skip. À skip, à skip. Alors, c'est où d'ailleurs pour échanger? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, c'est pas très grave, on va aller augmenter encore le selling tempérance. Plus j'augmente mes stats, en plus celui-là à chaque fois, donc c'est plutôt cool. Ok, jouer avec les enfants, blablabla. Yuta qui va s'embrouiller quelqu'un. Il va finir par se taper lui, à force. Allez, You, faut qu'on rentre. Il commence à faire tard. Akio, on rentre. Ouais, voilà, en direct. Quand il revient. Hein? De qui tu parles? Je veux dire ton père? Je sais pas. Je rentre avec Ryu. D'accord. Ryu et Ken. Ah, je pense qu'il veut voir son père. Probablement, hein, même sûrement, même très sûrement, je pense. Comment je peux lui dire pour pas la blesser? Ouais, bah, je crois que je vais lui dire Franco, puis ouais. Pour lui, je suis qu'une étrangère qui vit avec lui depuis 6 mois. Ouais. D'accord. Ils étaient censés avoir un enfant en fait les deux quand ils seraient mariés. Et une fois qu'ils ont été mariés, il a été envoyé en Chine pour du boulot. Ah, il est super quoi. Bah, est-ce que t'aimes Yuta? Est-ce que t'aimes ton mari? C'est quoi ce genre de question que je pose là? Vas-y, est-ce que t'aimes Yuta? Hein? Mais bien sûr. Ouais. Enfin, c'est compliqué pour un enfant ouais, d'avoir une nouvelle mère, entre guillemets, quoi. Elle a rushé son mariage et tout. Alors du continuer à travailler. Mais dis pas tout ça à mon mari. Hein. Ouais, peut-être un peu précipiter les choses. Hein. Le truc, c'est qu'en fait, je suis en train de me dire que si tu commences une relation amoureuse avec elle, ça risque de partir salement en couille, en fait. Genre vraiment, quoi. Ok, on va lire un peu. Alors, c'est celui-là qu'on devait commencer à lire, voilà. Ok, bon, ça c'est fait. Ah, reste un peu le planning, quand Kanji est censé revenir. Aucune idée. Mais très loin, j'ai l'impression. Ah, le 4. Le 4 juin, c'est le dernier jour pour Kanji. Ouah, c'est loin quand même. On va essayer d'y aller. Nanana, ok, blabla, on s'en fout. Sauvegarder, parce que là je dois commencer à prendre des décisions un peu cheloues. Alors Chie, c'est bien chariot, hein. Je ne trompe pas, hein. Enfin, je crois. crois, oui, je le dis. C'est bon, comme ça. C'est bon, je sais, c'est bon. Alors, vous allez vous entraîner avec Chie. Allez, on fera ça la prochaine fois. Ah, Chie, qu'est-ce que tu fais? Takeshi? Oh bah, je m'entraîne, je travaille. When you're gonna graduate to be a king. Tu vas t'entraîner pour être le roi de la vallée. Le roi de la vallée. Ah, en maternelle c'était genre le chef de gang, après en primaire c'était l'allée de la justice, après c'est les vanguards, après la révolution. C'est comme maintenant le protecteur de la planète. Pourquoi il dit ça? Elle se donnait des rôles où les gens l'appelaient comme ça, non? Bizarre quand même ça. Ouais, laisse-la tranquille. Ah, pas assez de courage. Bon. Ouais, c'est pas tes oignons. Ouais. Allez, je voulais pas dire ça comme ça. Je suis Takeshi Kuno. J'étais avec Chie, middle school, quoi, c'est middle school, c'est primaire, je pense. En fait, il se sert d'être Chie pour demander si Kiko est toujours célibataire ou pas. Elle va bien et je pense pas. Je vois, cool. Oh là là, le mec, ils courent tous après Yukiko, quoi. Pauvre Chie, quoi. Bah, je sais pas, je sors une blague. Non, elle aime pas trop les blagues, elle, en général. Je sais pas. De tenir sa main, je peux pas. Pas assez de courage, évidemment. Lol. Bon allez, on va raconter une blague. Ça marchait ou pas? C'est bon, ça marchait. Je suis désolé, il est vraiment chiant, hein. Sérieusement. Il est toujours en train de mater Yukiko. Oula, alors c'est bizarre. Parce que... Ah! Est-ce que Chie était pas amoureuse de ce mec? Ça compliquerait un peu le délire, là. Pff, Ice Boost, c'est vraiment important, ça. En vrai, j'ai envie de dire non, mais... Bon, on va mettre un Okaja, de toute façon, c'est pas grave. Hop! Ok, oui. C'était plutôt ça en fait. Welcome. 5,28, bah pareil, on va aller parler avec Dojima. Merde, j'ai oublié les tomates. Faut que j'oublie après. J'ai entendu quelque chose à la station la dernière fois. Enfin, station au poste de police, quoi. Par rapport à... Enfin... J'ai entendu des gars qui allaient souvent à Junes. Enfin, y a rien de mauvais à tout ça, bien sûr. La question, c'est... Pourquoi tu fais autant de voyages dans les départements électroniques? Alors... ben, je sais pas, je comptais acheter une télé. Papa. Eh non, c'est pas ce que tu penses, c'est pas un interrogatoire. C'est pas juste, c'est toujours en train de parler avec Big Bro. Quoi? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, t'es à la maison, mais... Mais je parle toujours avec toi. Et c'est quand, tout le temps? Je veux discuter. La pauvre. Ouais, c'est déjà l'heure pour toi d'aller dormir. Allez, va dormir. Je jouerai avec toi la prochaine fois. Tu avais promis. Oh, la pauvre. C'est quand toujours hein. C'est vrai que ça fait un peu mal au cul d'entendre ça, quoi. Je vais répondre que... Pourquoi tu joues pas avec elle, simplement? Je suis occupé. D'accord. D'accord. En gros, c'est pas lui qui s'occupait d'elle, c'était sa mère, quoi. Il sait pas trop comment s'approcher d'elle. Pourquoi? Donc elle dit, je ne suis pas fait pour être de sa famille. Mais pourquoi, en fait? Genre... Fait ou pas, on s'en fout, on est tous une famille. T'as peut-être raison, hein. Tu veux dire que juste être lié par le sang voudrait dire qu'on est une famille? C'est pas le cas. Et pourquoi? Sorry. Ah désolé, je voulais pas t'entendre ça. Night. Ok, très bien, si tu veux. Ok, à pas court, qu'est-ce qu'on va faire? Maman, il y a Ichijo qui devrait m'appeler. Ah, Tanaka. Qu'est-ce qu'on achète? Vas-y, on achète. Télé-shopping. Ok. Ok, c'est bon, Yako, ouais. Yep. Bon, rien de spécial, ils vont juste blablater vite fait, ils vont me filer un bouquin. Rien de ouf. Voilà. On va finir Off Today qu'on n'avait pas terminé. Et normalement, ça va augmenter une de mes stats. Ou pas. Ou pas. J'ai mal calculé mes trucs là. Alors, j'ai pas encore décidé qui j'ai passé du temps. Si, peut-être Chie encore, peut-être. Oh là là. Ah, c'est bon, tais-toi, toi. Ok. Nous sommes donc le 30. Il faut qu'on passe du temps avec Chie. Alors, où est Chie déjà en fait? Elle est sur le toit. C'est bien, on passera niveau 5. J'essaie de manger avec Chie après l'entraînement. Ok, donc on est chez Aya. La viande de riz circule directement dans mes veines. À ce point-là. On va dire ouais, que c'est délicieux. Ah, j'arrête pas de recommander le bol de steak. Et la sauce, je pourrais mourir pour elle. Carrément, quoi. On dirait moi, gros de le tu sais. Alors. Est-ce que j'ai besoin de travailler dur? Ah, elle veut travailler dur, elle veut protéger Yukiko. Non, ça va. Elle est pas... Voilà, elle est pas si faible que ça, Yukiko, quoi. Elle peut se demander quand même toute seule, quoi. Mais ouais, c'est plutôt toi. Je m'inquiète plutôt pour toi, ouais. Hein, pour moi? Mais moi, ça va, c'est bon, y'a pas de problème. Enfin, je m'entraîne et tout, comme d'hab, quoi. Je vais devenir plus forte. Pour Yukiko aussi. T'inquiète. Ok, alors c'est quoi le cadeau? Il n'y en a pas. Je pensais qu'elle allait apprendre un nouveau skill. Elle veut encore bouffer. Non, moi c'est bon, j'ai assez mangé là. Morphale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a un truc à grailler? Il y a une bouteille de lait qui a passé la date d'expiration. Est-ce que vous allez le boire? Bah oui. J'ai peur ou quoi? Bah les couilles moi. Hop. Ah par contre vous vous sentez pas très bien. Merde. Alors est-ce que tu peux peut-être sortir? Alors Chie, on s'est déjà vu hier, c'est bon, ça ira. Je ne crois pas non plus que je m'intéresse secrètement à toi. J'ai pas encore décidé qui. Chie, je l'aime bien. En fait, en vrai, j'aime bien toutes les filles de Persona 4. Elles sont toutes un peu particulières. Elles sont toutes mignonnes à leur façon, on va dire. Mais je sais pas. C'est dans toutes mes runs, j'ai choisi Rizé qu'une seule fois. Alors, pourquoi pas une deuxième fois, mais en vrai, je sais pas. C'est perturbé. J'y pense pas encore, on verra plus tard. Du coup, nous sommes le 31. On approche juin, donc on approche le mois du prochain donjon, ce qui se passera en juin. Donc en fait, ça va, on avance plutôt bien finalement. Et on est censé augmenter le strength, hein, du coup. C'est ça. Donc c'est le club de basket. Ah, c'est là. Allez, go. Ok, donc c'est bon, parfait, ça augmente mes stats. Hein, les autres sont déjà partis. C'est exactement pour ça que la team est... Enfin bon, elle est tombée. Bonne nouvelle, on a un manager. D'accord, donc il faut compter sur elle maintenant. Présente-toi. Ai Ebihara. Ai Ebihara. Ah bah, ah putain, oui, elle, j'avais oublié. Oh merde. Ah, ok, l'autre il va rentrer. Celle qui va à nous. Bah, ils sont déjà morts les deux autres, quoi. D'accord, je vais être franc avec vous, je vais pas bouger un doigt pour cette team. D'accord, on en a rien à foutre de nous en fait, quoi. Alors pourquoi alors t'es là? Ah, j'ai loupé trop de jours d'école. Ils vont me dégager si je m'occupe pas de cette team. Mais n'acceptez pas de ma part que je fasse un effort pour vous. Ok, connasse, quoi. Ouais, c'est ce que je pensais d'elle quand je l'ai vue, ouais. Bon allez, j'ai faim. Allez, go. J'ai rêvé de cet endroit depuis qu'on y allait, là, les gars. Comment ça, le rêve? Comment il était? Ah, tu veux dire avec ma famille? Enfin, ouais, c'est compliqué. Daisuke t'en a parlé, hein. Ah oui, son... Ah là là. Oh là là, les mariages arrangés pour les gains politiques et tout. Aïe 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 aïe. C'est un peu compliqué. Il a été... Ah, il a été salué par des personnes importantes, haut gradées dans la société. Tu peux imaginer, moi avec ce genre de choses. Alors c'est un peu difficile de t'imaginer toi, oui, mais après... je vais dire que c'est compliqué de t'imaginer. Ouais, en tout cas, si tu croises quelqu'un de ma famille, ne dis pas que j'étais ici. À la maison, c'est que étudier les cérémonies de thé et les leçons. On m'appelle même Kosama. Kosama. Ouais, c'est comme ça qu'il m'appelle. Je sais que c'est un peu bizarre, mais bon. Il me traite comme ça, ouais. Je dois aussi jouer mon rôle. Putain, mec, je sais pas. Ah, c'est bientôt fini, bientôt. Ah bon? Ah, il est d'accord. Il y a le grand leader de la famille qui va bientôt... Enfin, qui a wipe, enfin, qui est mort. Du coup, je pense qu'il pense que la renommée va disparaître. Ah, voilà. Leur famille va juste disparaître dans l'oubli, quoi. D'accord. Donc il a une petite sœur. Ouais, donc en gros, il espère que tout sera plus ou moins transféré sur sa petite sœur. Bah écoute, je dirais que c'est bien, et puis... ouais, tu sais, vas-y, je l'encourage. C'est mieux comme ça. Devenir un successeur, ouais, c'était pas spécialement ce qu'il voulait, quoi. Non, mais c'est bon, tu sais quoi, vous avez tous le même problème, en fait. Genre, cassez-vous de votre famille et faites votre propre vie. Là, il ressemble un peu trop à Yukiko, je trouve. Un peu. Et maintenant, ouais, il reparle de sport. Bon, allez, go. Y a pas un personnage qui a pas de problème dans la vie? Ah, oui. Je vais peut-être faire à manger, du coup. Attendez, est-ce qu'il y a ma feuille de route qui me prévient? Il y a un truc important. Qu'il faut que je sauvegarde sur un fichier différent. Parce qu'il y aura beaucoup de random. Pas que je me plante. Donc il faut que je cuisine. Donc ça n'a pas changé. Alors blablabla. Hop. Y a plus de sel. Eh ben c'est pas grave, on va prendre la sauce soja alors. Allez. Voilà. Ok, donc on va enchaîner sur le social link de Kou. D'ailleurs il est pas là. Je n'ai pas vu Kou. Il s'est pas entraîné aujourd'hui. Ah bon? On va aller voir ça parce que c'est bizarre, ouais. Ok, bon ça c'est bon, comme d'hab. Il est toujours pas là. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'urgent, ouais, peut-être. Bon, il se barre, bon bah ok. Bon. Donc le casier... Peut-être que quelqu'un va parler de lui, non? Ah non, ses chaussures sont toujours là. Donc il est toujours à l'école. Mais il est où ce con? Bah c'est où ce mongol là? Il est sur le toit, il est éclaté. L'entraînement est déjà terminé. Bah oui gros, hein, depuis un moment quoi. Enfin, je sais pas où t'étais mais... Donc, quelque chose va pas? Non, c'est rien. Je vais pas te mentir à toi. Il y a quelque chose. C'est pas ouf, mais il y a quelque chose. D'accord, bah vas-y. Je t'écoute. Ah, je sais pas si j'aime toujours le basket. Ah bon? C'est pas ma famille. J'ai leur consentement, c'est bon. Ils ont dit que je peux faire ce que je veux, en fait. C'est marrant. Au début, ouais, ils voulaient pas et maintenant qu'ils veulent... Il se pose des questions quoi. Il a plus de sentiments, il a plus rien. C'était pas drôle, c'était pas chiant, c'était juste, il se passait rien. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors ça le fait chier que sa famille soit d'accord avec tout ce qu'il fait maintenant? D'accord. Il n'arrive plus à s'amuser en fait. Il se sent distant des autres. Oh un oiseau. Mais comment un oiseau? Ah, les oiseaux bah, sont libres comme l'air, ils peuvent aller où ils veulent. Ah mais ils se sentent, mais gros, je suis, mais... Vous voulez que je fasse quoi moi? Je peux pas, j'y peux pas grand chose, hein, malheureusement. Ah, on va dire, vas-y, on va faire quelque chose de marrant, vas-y, viens. Peut-être qu'on devrait aller dans un groupe de date à l'aveugle, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça peut t'amuser. Ouais, sur avec une nana, ça peut peut-être t'amuser, ouais. Je sais pas, c'est compliqué. C'est pas trop ce qu'il veut. Un coup il dit, oh, ma famille elle veut pas, et puis après il fait, oh, maintenant qu'il veut, bah je veux plus. Faut savoir, gros, hein. Je vais rester ici encore un peu. Ok, bah quoi, je vais te laisser. On va le laisser, hein. Yep. Ouais, je suis de retour. Ah, c'est ce que j'avais commandé. Les adios shoes. Adios. Est-ce qu'elles sont bien en fait? Ça se trouve, elles sont nulles, hein. Je les ai achetées pour rien, tu vois. Alors, non, elles sont très bien. Elles sont même très 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 bien, putain la vache. Ah oui, les tomates. On va les prendre. Voilà. Eh, elles ont l'air cool, là. Sérieusement, c'est impressionnant. Ouais, bon, c'est prêt, allez, go. Ça va le faire. Nice. Est-ce que je vais planter des trucs? Oui, mais on va replanter des tomates, du coup. Si ça peut faire un peu d'SP, moi je prends. On va passer, allez, voilà. Yes, on va sauvegarder. Techniquement, on arrive à la deadline où Kanji aurait dû être sauvé, donc l'histoire va progresser. Donc on était le premier, et je devais commencer mon nouveau taf sur les origami, je crois. Non, c'est ça? Ou non, je dois lire, en fait. D'accord. Avant de commencer le taf des origami, je vais lire, d'abord. Et quand j'aurai tout lu, je serai un pro des origami. Allez, on passe. Voilà. Alors, ah, pour une fois il pleut, on va pas au restaurant, pour une fois, hein. L'exception. Alors du coup, ouais, voilà, j'ai le personnage qu'il faut. J'ai complètement zappé celle-là, je te jure. Ah, le club de drama. Alors j'ai participé aux exercices, ok, ça a augmenté mon expression, évidemment, plutôt logique. Ok, t'as entendu que le club de drama va participer à un concours. Je vais avoir le rôle de leader hein, cette année. Tu peux m'aider pour mon script plus tard? Bah oui, si tu veux. Yumi... Quoi? L'autre balance ça comme ça? Il y a un appel de l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis toujours... Oula, ouais, ça balance cash quoi. Vas-y viens, on va la voir. Ok, bon. Allez voir. Ça va, elle a rien. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il était là, ouais? Mais tu t'es pas évanoui, tu m'as menti. Je peux pas y croire. Dis-moi ce qui se passe. Yumi. Ah, c'est lui qui s'est évanoui, enfin qui s'est effondré, pas moi. Mais je savais que tu viendrais pas si je l'aurais dit. Donc oui, je t'ai menti. Je voulais que tu le voies. Eh merde. Je t'ai dit que je voulais plus rien savoir de ce mec. Non. Je sais que tu souffres beaucoup. Je me sens responsable de tout ce qui s'est passé. Mais tu vois, c'était sa dernière requête. Ah, il est mort. Je m'en fous s'il vit ou s'il meurt. C'est un complet étranger pour moi, c'est pas mon père. Maman, toi et moi, on était abandonnés. Et maintenant, celui qui est mort, ouais, il pense qu'on va le pardonner. Bon, ouais, comme toi un peu quand même. C'est trop cruel de le laisser mourir seul. Pense à ça. T'es stupide ou quoi? On va pas le faire. On en a rien à foutre. Y'a un problème de proportion là, entre les deux persos? Si, j'ai l'impression. Pas bizarre. J'ai été abandonné comme avant. Oula. Et puis quand t'es là, toi, tu m'écoutais? Ouais, j'ai entendu, ouais. Ah, ça se fait pas d'écouter les conversations des autres, des conversations privées. Mais non, c'est bon. Ma mère ne s'est pas évanouie. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je me suis rendu compte que c'était un homme qui était censé être mon père. Il nous a abandonnés, ma mère et moi, il y a 10 ans de ça. Il a trouvé une autre femme. Une connasse. Et maintenant qu'il a... Maintenant il revient, il m'appelle fille et tout parce qu'il est en train de mourir. C'est vraiment de la merde. J'aurais dû l'oublier depuis longtemps. Son nom, son visage, son existence. J'aurais dû tout bloquer de lui. Et ce qui est pire maintenant, c'est que ma mère va s'occuper de lui. Elle est tellement stupide. Il l'a abandonné, tu comprends? Il est abonné pour une autre femme. Tous les deux sont pathétiques. Alors tu vas te calmer. J'ai pas vraiment envie de la réconforter en fait parce qu'elle est chiante. Du coup je ne sais pas. Je suppose que si je la réconforte pas, c'est mal vu. Tais-toi. Qu'est-ce que tu sais à propos de moi? Ok, bon bah, quand tu le prends comme ça, je me casse, hein. Je suis désolé. Je suis désolé, je vais me calmer. Mais qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Ouais, en tout cas, ça doit être marrant à voir, non? Bah non, pas spécialement, non. Ok, on va rentrer. Ok, bon. Il pleut, oui. Bah, j'ai vu. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est encore en retard, son père. Bon. Papa, ah vraiment? Ok, je comprends. Ah, elle a l'air d'être contente. Ah, il arrive. Je dois faire le dîner. Ok, elle est contente. Qu'est-ce qui se passe? Ah, merde, il n'y a plus de radis. Il va être fâché. Vas-y, viens, on va en acheter. Vraiment? Merci. On va faire du shopping ensemble, youpi! Ah, c'était rapide, hein. Ok, rang 3. Let's go, big bro. Bon, ok. Il est déjà là? Vous étiez où pendant tout ce temps? À Junes. J'ai dit de pas sortir aussi tard. Mais tu venais à la maison et alors je... Qu'importe les raisons, ouais. Les règles sont les règles. Tu m'as promis, d'accord? Ma faute, ça, en fait. C'est un peu de ma faute. Je vais dire... ouais. Je vais dire que c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Et j'ai pas assez de courage. Et putain de merde. Putain. Fait chier, sortez la meilleure réponse, ça. C'est pas de sa faute, c'est moi qui ai proposé. Bon, je veux dire, je suis désolé. Pourquoi tu t'excuses? Tu n'as rien fait de mal. Oh là là, ça craint. Papa est stupide. Putain, il en a pris plein la gueule. Comment oses-tu parler comme ça à ton père? Alors, vous expliquez tout à Dojima. Ok. Elle voulait prendre des radis pour moi, c'est ça? Mais bon, je veux pas autoriser les enfants à sortir aussi tard. Tu sais que c'est dangereux en plus. Je devrais pas l'emmener là-bas. Il m'a gueulé dessus, alors je vais peut-être me barrer. Il a l'air un peu vénère, quoi. Calme-toi, gros, calme-toi.